Compensation du différentiel de pression intérieur-extérieur. Livre de bord. Le commandant a quitté le vaisseau. L'officier Presley prend le commandement. Nous avons vu votre vaisseau. Faidan veut vous parler immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a de si pressant? Les Geth vont bientôt lancer un nouvel assaut. Faidan prépare nos défenses, mais il a besoin de votre aide. En haut des escaliers, de l'autre côté du transporteur. Descends dans les tunnels. Assure-toi que personne ne passe par là. Mais... si on ne meurt pas de soif avant, les Geths finiront par tous nous tuer. Vous croyez que c'est facile de cogiter quand ça pète dans tous les sens? Les Geths vont tous nous tuer. Les Geths préparent une nouvelle attaque. La Ravi de vous rencontrer, commandant. Il était temps que les secours arrivent. Vous arrivez un peu tard, vous ne trouvez pas? Arcelia! Pardon, commandant. Tout le monde est un peu sur les nerfs. Attention! Il y a des Geths dans la tour! Protégez le cœur de la colonie! Pitié, je ne veux pas mourir! Pitié,
Commandant, je crois qu'on va dans la mauvaise direction. La tour est de l'autre côté. Peut-être mettre Faidan au courant de la situation avant de nous rendre à la base des guettes. C'est notre seul contact, un tant soit peu officiel. Vous avez fait beaucoup pour nous, commandant. Mais n'allez pas croire que vous m'impressionnez. Parlez-moi de Zeus Hope. J'ai pas grand-chose à dire. Vous devriez plutôt en parler à Faidan. Parlez-moi de vous, Arcelia. Je faisais partie du service de sécurité. Le plus gros de mon boulot consistait à empêcher les gosses de taguer les murs d'exogénie, et puis tout a changé. Je n'ai jamais été préparée à ça. La seule chose que je demande, c'est que ça se termine vite. Qu'est-ce que vous savez sur les guettes? Qu'est-ce qu'ils veulent? Je ne peux rien vous dire là-dessus. Demandez directement à Exogénie si vous voulez des réponses. Je vous ai fait quelque chose, ou bien c'est ma tête qui ne vous revient pas? J'ai de bonnes raisons d'être en colère. Depuis le début, on s'est fait entuber par tous ces gros pontes qui n'ont jamais tenu leurs promesses. Ils auraient dû nous envoyer une petite flotte. À la place, on voit arriver un seul vaisseau. Et vous n'êtes ici que pour les guettes, je parie. Qu'est-ce que vous savez sur Exogénie? Pas grand-chose. Je m'occupais de la sécurité, rien de plus. Tout ce que je sais, c'est qu'ils pensaient trouver des artefacts sur cette planète. C'est comme ça que ça marche. Ils aident les colons à s'établir et en échange, ils récupèrent tous les trésors enfouis. Ça casse un peu le mythe du pionnier, hein? Au revoir. Commandant. La tour est sécurisée. Grâce à vous, commandant. Je n'ai fait que mon devoir. Content que vous soyez de notre côté, en tout cas. On les a ralentis, mais il en viendra d'autres. Il en vient toujours d'autres. Dites-moi ce que veulent les guettes. Pourquoi est-ce qu'ils vous attaquent? Vous n'avez qu'à leur poser la question. Personne ne sait ce qu'ils veulent. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils ont attaqué la colonie. Leur base se trouve dans le complexe Exogénie. Vous y trouverez peut-être des réponses à vos questions. C'est quoi ça, Exogénie? Nos patrons. Ce sont eux qui financent la colonie. Presque tout le monde ici travaille pour eux. L'autoroute mène directement au complexe Exogénie. Vous ne pouvez pas le rater. Non, c'est surtout l'armée de guettes entre ici et là-bas qui va vous poser problème. Je ne m'attendais pas à une partie de plaisir. Très bien. Ensuite, nous reprendrons les réparations. Est-ce que vous savez comment les guettes ont organisé leur défense? Non, pas vraiment. Mais je suis à peu près sûr qu'ils sont bien mieux protégés qu'au poste de commandement. Je sais qu'au moins un vaisseau guette s'est posé près d'Exogénie, et j'ai vu des marcheurs sur l'autoroute. Le combat risque d'être rude. Qu'est-ce qu'il vous faut pour remettre votre colonie en état de marche? Être débarrassé des guettes. Arcelia a raison. Il reste des guettes dans les tunnels. Sans compter les problèmes plus terre-à-terre, comme la pénurie d'eau, de nourriture et d'électricité. Je ne sais pas trop où nous en sommes à ce sujet. Les responsables de l'approvisionnement seront mieux placés pour vous répondre. Vous avez des infos sur les guettes dans les tunnels? Rien de nouveau. Ils doivent garder un transmetteur quelque part là-dedans, qui leur permet de coordonner les attaques. Sans être une question de vie ou de mort, sa destruction nous aiderait à organiser les défenses. Je
peux faire quelque chose pour votre problème d'eau? Macha Doyle essaie de régler le problème. Si vous avez des suggestions à lui faire, n'hésitez pas. D'où viennent vos problèmes d'alimentation électrique? Allez plutôt voir May O'Connell. C'est elle qui s'occupe du réseau. Vous avez parlé d'une pénurie de nourriture. Devin Reynolds est chargé de pourvoir à nos besoins en nourriture. Je suis sûr qu'il acceptera votre aide avec gratitude, si vous la lui proposez. J'aimerais qu'on parle de Zeus Hope et de Pharos en général. Bien sûr, commandant. Parlez-moi de votre colonie. La vie d'un pionnier est souvent courte et brutale, même sans les problèmes actuels. Les affaires coloniales estimaient que nous n'étions pas assez développés pour intéresser les pirates. Ils n'avaient pas pensé aux guettes. Mais malgré tout, il se dégage une inexplicable sérénité de cet endroit. Je n'ai jamais rien ressenti de tel. Quelle était la taille de votre colonie avant l'attaque? Près de 1000 colons sur le site principal et 200 dans cet avant-poste. Quand la première vague de guettes a pulvérisé nos défenses, nous nous sommes repliés sur Zeus Hope. La Normandie n'est pas très grand, mais il pourrait contenir tout le monde. Non. Les chasseurs guettes sont trop dangereux. Et puis, je refuse de quitter cette planète. C'est notre foyer à présent. Nous ne retrouverons un tel potentiel de croissance sur aucune autre planète. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus sur Exogénie? C'est Exogénie qui finance cette colonie. Sans eux, on ne serait même pas ici. Ils sont spécialisés dans la colonisation. En échange de leur soutien financier, nous travaillons pour eux. Leur objectif principal est de mettre la main sur des artefacts ou des ressources de valeur. Sauf qu'ici, il n'y a rien du tout. En tout cas, on n'a rien trouvé. C'est peut-être ça que chassent les guettes, non? Possible. Comme Arcelia vient de vous le dire, nous n'avons jamais rien trouvé d'intéressant. Cela dit, les guettes sont peut-être mieux informées que nous. Je reviendrai quand j'en saurai davantage. Bonne chance, commandant. C'est vous qui avez repoussé le dernier assaut des guettes? Ils reviendront, mais nous serons sans doute tous morts de faim avant. Il doit bien y avoir quelque chose à faire. Oui, il faudrait ajouter de la viande de Varenne à nos rations. Mais ils sont trop dangereux. Surtout à cause du mâle alpha, un énorme Varenne qui attaque tout ce qui bouge. À mon avis, il a la rage. En tout cas, il est incontrôlable. Je ne pourrai rien faire tant qu'il ne sera pas mort. J'ai un vaisseau. Je pourrais importer des provisions de l'extérieur. Je préfère que vous vous occupiez des guettes. Avoir le ventre plein, ce n'est pas ce qui nous aidera à les repousser. Parlez-moi de Zeus Hope. La colonie est en pleine croissance. Enfin, elle l'était. Mais vous devriez parler de ça à Faidan. C'est notre chef. Pourquoi Faidan? Vous avez une langue, non? Je ne veux pas vous en parler maintenant. Allez voir Faidan. Parlez-moi un peu de vous. Mon histoire est plutôt banale. Greta et moi, on est venus ici par goût de l'aventure, pour prendre un nouveau départ. Niveau aventure, on peut dire qu'on a été gâtés. Avant l'arrivée des guettes, tout se passait bien. On commençait même à apprécier notre nouvelle vie dans la colonie. Dites-moi un peu plus sur les Varennes. On ne peut pas les chasser tout en repoussant les assauts des guettes. Le point positif, c'est qu'ils attaquent tout ce qui bouge, même ces saloperies de synthétiques. C'est surtout le mâle alpha qui pose problème. Il est très agressif et complètement imprévisible. Je dois y aller. Au revoir, commandant. Beau boulot, dites donc. Pas fâché que vous vous soyez pointé? Par contre, sans accus, on n'est pas tiré d'affaire. Et si je vous rapportais quelques accumulateurs du Normandie? On doit en avoir en rab. Votre vaisseau, c'est le top du top? Pas comme ce tas de bouse, là. Non, ce sera pas compatible. Si je trouve quelque chose, je vous le ferai savoir. Merci, commandant. C'est sympa. Excusez-moi, mais je n'ai pas le temps de parler. J'ai une pénurie d'eau sur les bras. Je peux peut-être faire quelque chose. Le local technique a été le premier bâtiment à tomber sous contrôle guette. Trouvez les conduites et rouvrez l'arrivée d'eau. En attendant, la colonie est à sec. Mon vaisseau est à votre disposition. Je pourrais vous apporter de l'eau. Cela ne résoudrait pas vraiment le problème. Sauf si vous comptez faire des allers-retours jusqu'à la fin de vos jours. Nous devons être autonomes. Parlez-moi de la colonie. Nous sommes un petit groupe rattaché à la colonie principale. Enfin, nous l'étions, avant l'attaque. Allez plutôt parler à Faidan. C'est lui qui connaît le mieux la colonie. Vous savez comment résoudre votre problème d'eau. Pourquoi ne pas le faire vous-même? La colonie ne peut se permettre de perdre qui que ce soit d'autre. Nous sommes beaucoup trop vulnérables. Vous semblez attacher beaucoup d'importance à l'eau. Pourtant, il y a des problèmes plus urgents. Je ne peux pas penser à autre chose. Nous avons beaucoup de problèmes. Mais c'est trop douloureux.
Si je me concentre là-dessus, la douleur disparaît. Sa réaction est compréhensible. La menace est bien réelle. Qu'est-ce que vous savez sur cette planète? Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Demandez plutôt à Faidan. Parlez-moi un peu de vous. Non, ce n'est ni le lieu ni le moment. Aidez-nous si vous voulez, sinon laissez-moi faire mon travail. Je dois y aller. Bonne chance. Bonjour, commandant. On m'a prévenu de votre arrivée. Tout ce que j'ai est à votre disposition. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Zeus Hope? C'est un endroit fascinant. Dommage que les guettes en aient fait un piège mortel. Je suis sûr que vous pourriez vous plaire ici, commandant. Je n'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais... je crois bien que je vais m'installer ici. Vous installer, mais pourquoi? Cette colonie prend l'eau de tous les côtés. C'est difficile à expliquer, commandant. Vous ne pourriez pas comprendre. Allez plutôt poser la question à Faidan. Il pourra peut-être vous donner des réponses. Comment vous faites pour être aussi bien approvisionné ici? Bon nombre de mes clients n'ont pas survécu aux attaques Get, et ceux qui restent n'ont plus vraiment l'esprit à faire du shopping. Comment vous faites pour être aussi bien approvisionné ici? Bon nombre de mes clients n'ont pas survécu aux attaques Get, et ceux qui restent n'ont plus vraiment l'esprit... Que fait un galarien comme vous dans une colonie humaine? Partout où il y a des crédits, je vais. Enfin, j'allais. Un transporteur bien rempli peut rapporter gros dans une colonie comme celle-ci. Au bout d'un moment, j'ai, comme qui dirait, pris racine. Et j'ai décidé de rester, pour aider la colonie à se développer. Quel est votre nom, Galaria? Mon nom complet est Goroth de Eranon Maldinest Got Inos Teledra. Les humains n'utilisent en général qu'un prénom et un nom, soit Inosté et Ledra. Pourquoi ce nom à rallonge? Nous sommes nommés en fonction de nos origines. Goroth II est ma planète natale, Eranon, le pays de mon clan. Enfin, Maldinest et Got sont les noms de la ville et du quartier où j'habite. Montrez-moi ce que vous avez en rayon. Avec plaisir. Je suis sûr que vous trouverez quelque chose à votre goût. Puis-je vous être utile en quoi que ce soit? On m'a demandé... Montrez-moi ce que vous avez... Avec plaisir. C'est vous le commandant du vaisseau qui vient d'arriver? Qu'est-ce que vous savez sur la colonie? Je ne suis pas ici depuis très longtemps. Au départ, tout avait l'air normal, mais en fait, il y a quelque chose de bizarre. Comment ça, bizarre? C'est difficile à expliquer. C'est comme... comment dire... Écoutez, allez plutôt parler à Faidan. Il connaît cette colonie bien mieux que moi. Qu'est-ce que vous faites ici? Moi? Je surveille juste le vaisseau pour qu'il ne lui arrive rien. Il ne peut plus voler, mais ça nous fait un abri quand les guettes attaquent. Vous avez l'air de surveiller quelque chose. Non. Enfin si, juste un diagnostic du vaisseau. Il faut que je m'y remette d'ailleurs. Faidan m'a demandé un rapport sur... bon, je dois y aller. Dites-moi un peu plus et je pourrais peut-être vous aider. Non merci. Vraiment. Je n'ai pas besoin. Je dois terminer ce travail.